Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et bien sûr, vous n'avez qu'à liker nos pages et lorsque nous diffusons, vous aurez des notifications. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste. Comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Tchad, militaires dans les rues et ambiance de crise, la folie des billes en marche. C'est notre grande interrogation. Tchad, militaires dans les rues et ambiance de crise, la folie des billes en marche. Nous nous interrogeons encore ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, une ambiance de situation de crise régnait toujours ce dimanche 23 octobre de l'an de grâce 2022 dans les villes tchadiennes sous couvre-feu suite aux violences du 20 octobre dernier. Quatre jours après les manifestations meurtrières, l'émotion reste palpable. Selon le bilan officiel, près d'une cinquantaine de personnes ont été tuées. D'autres parlent même de 300 morts lors de la répression des manifestations anti-pouvoir et on compte aujourd'hui plus de 300 blessés. Le personnel de santé reste également choqué par ce jeudi noir puisque les hôpitaux sont tous inondés de blessés. Un couvre-feu est donc en vigueur à partir de 18h chaque soir. Les habitants de N'Djamena s'empressent de rentrer chez eux. Depuis, les commerces sont fermés et les rues vides de passants. Un important dispositif militaire, oui, a en revanche été déployé dans toutes les grandes villes du pays. De nombreux véhicules de l'armée, parfois équipés d'armes lourdes, sont visibles dans la capitale. Si l'Internet n'est pas coupé, le débit est tellement lent que même charger une page Facebook devient compliqué. Les 7e et 9e arrondissements de la capitale sont privés d'Internet, tout comme une partie du 6e. Une situation que le ministre tchadien de la Communication et porte-parole du gouvernement impute à un trop grand nombre de connexions. Il déclare, et je cite, « Avec le couvre-feu, tout le monde est chez soi et à l'affût de l'information. Tout le monde est connecté en même temps. » Il y avait déjà des problèmes de connexion qui ont été malheureusement accentués. Même les opérateurs ont été conviés par le gouvernement pour améliorer les choses. Mais, à notre connaissance, il n'y a pas de coupure d'Internet sur le territoire tchadien, a-t-il déclaré. Pourtant, selon les informations de certains de nos amis du côté du Tchad, eh bien c'est le gouvernement qui a coupé Internet de peur de voir certaines images circuler sur les réseaux sociaux. Parce que jusqu'à preuve de contraire, selon ces derniers, ils nous font savoir qu'il y a toujours la répression. Les militaires sont dans les rues, les militaires sont dans les quartiers où ils extirpent certains Tchadiens qui sont contre le pouvoir de Mahamat Déby. Et justement, on les amène dans les camps de la mort où ils sont torturés. De son côté, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a achevé d'ailleurs dimanche sa mission d'évaluation à N'Djamena. Gilberto da Piedad Verissimo voulait profiter de sa visite de 24 heures pour rencontrer l'opposant Succès Masra, aujourd'hui président du parti Les Transformateurs, mais ce dernier n'a pas souhaité se déplacer pour des raisons de sécurité. Les deux hommes se sont tout de même entretenus par téléphone, nous dit-on, avant l'arrivée du commissaire N'Djamena. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Tchad, militaires dans les rues et ambiance de crise, la folie des billes en marche. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les panafricanistes qui nous suivent. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez entendu parler justement de ce jeudi noir 20 octobre de l'an de grâce 2022 du côté du Tchad. Je prends d'ailleurs vos impressions. Situation tout à fait malheureuse. Et puis, nous nous inclinons sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés ce jour. C'est malheureux, c'est un événement regrettable. C'est une situation injuste que nous mettons sur le dos de deux puissances, la France et les États-Unis, avec tous leurs supplétifs sur le territoire du Tchad. Jusqu'à preuve de contraire, les morts continuent quand même de s'empiler. C'est toujours à regretter parce que c'est la responsabilité de ces pays-là, la France et les États-Unis, qui manœuvrent très bien dans ce dossier et qui réussissent à faire quelque chose que nous allons avoir l'occasion de décrypter ici. Allons-y donc, qu'est-ce qui se passe du côté du Tchad? Alors, le Tchad, il faut que les Tchadiens eux-mêmes pourront témoigner de cette situation.
Le Tchad, ses problèmes commencent en 1964 lorsqu'on découvre les gisements de Doba, ou du moins quand le projet d'exploiter les gisements de Doba, oui. Gisements pétroliers mis sur pied. Avec cette découverte ou bien cette volonté d'exploitation, le premier président Tombal Bay, qui est un sudiste, précision vaut la peine, qui est un sudiste, voudrait obtenir de meilleures parts pour son pays. Il fait face donc à deux entreprises pour le compte des États-Unis, ExxonMobil, oui. Et pour le compte de la France, Elf, qui veulent à tout prix rafler la part belle sur l'exploitation pétrolière. ExxonMobil fait pression sur Tombal Bay au point où ce dernier un moment commence à se dire que ces pays vont arracher les gisements pétroliers tchadiens. Et c'est un témoignage du président Idriss Déby lors de sa dernière campagne. Tombal Bay, sous la pression conjointe des États-Unis et de la France, oui. Va finalement signer un document, mais avec beaucoup d'objections de ces deux pays qui trouvent qu'il a même encore trop manœuvré à l'avantage de son pays. Et ce jour, en sortant de la salle, il aurait déclaré qu'il a signé un document qui est en fait son arrêt de mort. C'était prémonitoire. 1969, le coup d'État contre Tombal Bay, il est lâchement assassiné. 1970, Félix Maloum prend le pouvoir, lui-même incapable de vraiment gérer le Tchad parce qu'il fait face à une rébellion qui est née dans la défense du territoire tchadien. C'est Gokouni Wedei et Hissène Habré qui sont les porteurs de cette rébellion. L'un est Gourane, l'autre également Gourane. L'un Gourane avec des affiliations Toubou et l'autre Gourane du niveau du nord-ouest du Tchad. Et les deux vont faire pression sur Félix Maloum jusqu'à ce que ce dernier va être victime d'un coup d'État et Gokouni Wedei va prendre le pouvoir. Parmi les deux, Hissène Habré avait un ensemble de revendications qu'il posait qui étaient communautaristes. Et nous n'excluons pas que c'était aussi là qui était nationaliste, mais Gokouni Wedei c'était communautariste. Nous n'excluons pas que ce soit là le point de départ d'une crise qui se veut sempiternelle désormais au Tchad et qui a des remous aujourd'hui. Gokouni Wedei va être aidé par la France pour prendre le pouvoir. Il va prendre ce pouvoir. Il va réussir à tenir en laisse Hissène Habré, qui pendant un an va essayer de manœuvrer et va réussir quand même en 1981 à évincer Gokouni Wedei du pouvoir. Avec l'aide d'Idriss Déby, qui s'était déjà illustré pendant la guerre du Tibesti, pendant la guerre à Fayal-Ajo, face aux forces libyennes. Pourquoi nous avons fait ce détour? Parce que la guerre tchado-libyenne, oui. A été gagnée avec l'engagement des peuples qui maîtrisaient le territoire dans la zone du nord du Tchad. Et malheureusement, ou bien de manière tout à fait fortuite, ces derniers sont entrés en grand nombre dans l'armée. Et ils ont constitué la cheville ouvrière de l'armée tchadienne. Et à la prise du pouvoir des mains de Félix Maloum, c'est ces gens qui vont rester au pouvoir pendant assez longtemps. C'est pourquoi j'ai parlé de Gokouni Wedei, Hissène Habré, qui ont tous fait cette guerre. Gokouni Wedei, Hissène Habré et Idriss Déby. Oui. Idriss Déby fera un coup d'État dans les années 90 à Hissène Habré, va prendre le pouvoir et lui également va accéder au pouvoir. Pendant plus de 30 ans, Idriss Déby va essayer de pacifier le pays parce que le pays était en proie à des crises sécuritaires aussi permanentes. Hein. Il y a eu plusieurs rébellions, on a eu les frères Timane Erdimi, Hassan Maalouf, tous. On a vu plusieurs leaders rebelles se succéder pour essayer, sur le même modèle qui avait permis l'arrivée au pouvoir de Gokouni Wedei et Hissène Habré,
on a vu des modèles parallèles se mettre en place. Et chaque fois, ces modèles, ces rebelles étaient épaulés par la France. Pourquoi? Parce que le Tchad représente la zone de transit des minerais d'uranium venant du Niger. Le Tchad constitue aussi dans la réserve du Tibesti un important bassin d'exploitation d'uranium. Donc ce bassin est encore faiblement exploité, voire même pas exploité, si nos informations sont bonnes. Et la France espère pouvoir avoir la main basse sur ces ressources-là qui sont hautement stratégiques. Il y a les réserves de pétrole qui sont importantes. Il y a les réserves également en eau douce qui sont importantes dans toute la zone du Canem. Oui. Et ce Tchad-là est donc un élément, un pilier aussi dans la stratégie de conquête du Sahel. Parce qu'à partir du Tchad, vous pouvez facilement vous projeter à la fois sur l'Afrique du Nord et le Sahel dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Niger puis le Mali. Donc ce Tchad-là est un carrefour important. Où les États-Unis, après le coup d'État de Ngokuni Wedel, les Français ont totalement fait main basse sur le Tchad, donc ont permis de sortir parce que Tombalbaye qui avait signé avec les Américains, avaient donné la part belle aux Américains. Avec son départ, les Français se sont taillés la part du lion. C'est bien d'avoir tout ceci en tête parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à quelque chose, à une résurgence de cette confrontation. Les États-Unis travaillent autour d'un leader de l'opposition. Nous avons ici eu l'opportunité d'écrire la situation tchadienne. C'est Success Masra. Success Masra, quand il émerge, se propose comme étant un leader communautaire. Oui. C'est-à-dire, il est comme le nouveau sauveur des sudistes. Et nonobstant la lecture que nous avons apportée, ou du moins, faisant fi de la lecture que nous avons apportée, historique, avènement des nordistes et de la logique guerrière qui était derrière, qui a emporté le Tchad, faisant fi de cela, il va poser la question de la présence, la longévité des nordistes au pouvoir comme étant le problème tchadien. Ce qui déjà, du point de vue panafricaniste, pose un gros problème. On ne peut pas revendiquer une alternance, ou du moins revendiquer un pouvoir de libération sur la base de questions communautaires. C'est un gros problème. Donc les États-Unis qui manœuvrent ce niveau, parce qu'on a vu que c'est le même argument qu'ils ont utilisé au Sud-Soudan, c'est le même argument qu'ils ont utilisé au niveau de l'Éthiopie avec la question du Tigré. Et c'est le même argument qu'ils mobilisent au Cameroun avec la question de l'Ambazonie. Donc c'est un mode opératoire qui leur est commun. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que beaucoup d'irrédentistes autour de Success Masra pensaient même que pour être davantage pertinent, les sudistes devaient aussi constituer une rébellion. Ça, c'est des discussions qu'ils ont eues. Ils auraient dû constituer, ils disaient qu'il fallait constituer également une rébellion. Mais le seul problème, c'est que le Sud est très frontalier du Cameroun et fait partie du corridor stratégique N'Djamena-Douala. Donc, pour un pays comme le Cameroun, c'est quelque chose de vital que d'avoir l'économie tchadienne qui est toujours la capitale tchadienne qui est toujours accessible. Et donc, ils ont conscience de ce que le Cameroun ne pourrait pas mouiller dans une telle déstabilisation. C'est pourquoi les États-Unis, dans cette situation, préfèrent procéder de manière différente, procèdent par manifestation. Nous avons tenu à apporter ces éclaircissements parce que la situation historique du Tchad aujourd'hui pose un gros problème pour la communauté panafricaniste. Mais les États-Unis et la France, dans cet affrontement autour sur le Tchad, ça les arrange bien. Pourquoi? Parce que, ils vont se discuter leur beefsteak, et d'autre part, ils vont réussir à confondre l'opinion panafricaine. Si vous regardez les postures panafricanistes aujourd'hui, du moins tous ceux qui se réclament panafricanistes, vous verrez une chose. Beaucoup vous reprennent
la sanglante répression organisée par la France au niveau du Tchad. Et beaucoup vous disent que non, le mouvement états-unien de succès Mazra est un mouvement de libération. Ce qui, dans les deux hypothèses, n'est jamais en faveur du combat panafricaniste. Si nous ne posons pas cette lecture sur le Tchad, beaucoup de gens croiront qu'ils soutiennent un mouvement de libération au même titre que le mouvement révolutionnaire malien. Ce n'est pas la même chose. Nous avons affaire avec un affrontement géostratégique, géopolitique entre deux puissances. Le 20 octobre dernier, qui était dans les rues? Étaient-ce des hommes armés, des rebelles qui voulaient le pouvoir ou tout simplement des manifestants qui disaient non justement à cette prolongation de la transition? C'était des manifestants de civils. Nous n'avons pas toute l'information là-dessus, bien sûr. Parce que quand on nous parle du siège du parti de M. Kebzabo qui a été brûlé, ça pose quand même problème. Quand on nous parle du siège du parti, je crois, de Païmi Padagé ou bien d'un autre opposant qui a été brûlé, ça pose quand même problème. On se pose bien des questions, pourquoi ces deux sièges ont été brûlés. Mais ça se comprend bien, parce que là aussi, ça permet aux téléspectateurs de mieux comprendre. Success Masra demande à être Premier ministre. Lui qui dit qu'il ne participe pas aux élections, au dialogue national. Il participe au dialogue national. Il demande quand même à être Premier ministre. C'est-à-dire discuter un peu, on peut dire, au Cameroun, on dit que tu as fait ça, Roura. Donc, en fait, c'est un coup de force. Il dit discuter là-bas entre vous, mais à la fin, vous me donnez la primature. C'est quand même un peu osé. Et de l'autre côté, vous avez Kebzabo qui est un opposant avec ses états de service, mais qui lui-même est un pion de la France. Un France-Africain. C'est un France-Africain avéré. Oui. Qui est finalement proposé comme Premier ministre. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Les États-Unis veulent la primature, la France veut la primature. La France prend la primature. Et nous avions dit, c'est pourquoi, si les autorités tchadiennes avaient tenu compte de nos mises en garde dans les émissions précédentes, ils auraient compris. Les autorités tchadiennes ont été entraînées trop longtemps par les autorités françaises dans un jeu tel que aujourd'hui, il est trop avancé pour penser à faire marche arrière. Et ce qui finalement donne raison à une critique assez virulente contre les autorités tchadiennes. Parce que même si ces autorités veulent se départir aujourd'hui de l'influence française, c'est quand même un peu trop réalisé. Ils ont donné la primature à la France-Afrique. Ils ont joué le jeu de la France-Afrique en créant un gouvernement d'union nationale. Ils ont hébergé sur leur territoire un rebelle recherché par François Bozizé. Ils ont laissé que les autorités françaises sur leur territoire organisent des rébellions, c'est-à-dire on sait que les autorités françaises ont donné de l'argent à Bozizé pour financer, pour chercher, recruter des mercenaires. Ils se sont laissés instrumentaliser dans le dossier malien, donc à la fin. Est-ce que cela ne veut pas dire finalement que Mahamat Déby et son gouvernement sont France-Africains? À la fin, on pourrait le dire. On pourrait ou bien c'est le cas? On pourrait. Non, il faut. Je préfère parler au conditionnel pour ne pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à N'Djamena. Il y a beaucoup de choses qui se passent à N'Djamena qui font que nous préférons rester un peu prudents vis-à-vis de. Pourtant, des hommes et femmes sont morts. Les hommes et femmes sont morts. Parce que nous avons affaire, et ce n'est pas la première fois que la France et les États-Unis s'affrontent sur un territoire. Ils l'ont fait en Israël, ils l'ont fait. En Iran, ils l'ont fait. On sait que le Shah était soutenu par les États-Unis et les Mollahs qui sont arrivés pour renverser le Shah étaient soutenus par. Des gens qui sont dans les rues le 20 octobre dernier, sans armes, sont juste des manifestants. Pourquoi avoir tiré à balles réelles et surtout avec des balles létales? D'abord, ça, c'est à condamner. Et ça, nous demandons que les autorités de N'Djamena, peu importe qu'elles soient françaises-africaines ou pas, peu importe leur couleur, elles devraient déjà établir des responsabilités et sanctionner les responsables. C'est très important. Au moins pour
la gouvernance, pour la continuité de la gouvernance et pour le par respect pour les populations tchadiennes. Les responsabilités doivent être établies. Ça, c'est impératif. Un discours doit être prononcé par le président tchadien pour demander les excuses à la population, pour demander à la population, pour recadrer l'armée. L'armée tchadienne, là, s'est comportée comme si elle était sur un théâtre de guerre, or que non. Le ministre de l'Intérieur, jusqu'à présent, ne nous a pas dit qu'il y a eu... C'est justement aujourd'hui la grande interrogation. Pourquoi est-ce l'armée qui est descendue dans les rues et pas la police? Il faut comprendre, pour ceux qui ont fait le Tchad, ils comprennent ça. Le Tchad a une police, mais une police militarisée. La gendarmerie tchadienne est militarisée. Ce n'est pas le même. Même si on sait que l'armée tchadienne est l'une des plus aguerries au combat, ce n'est pas aussi c'est pas une armée avec plusieurs professionnels des professionnels dans différentes unités comme on voit dans une armée, dans d'autres armées. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même configuration. Qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants? C'est là aujourd'hui toute la grande question. C'est là la grande question. Mais nous pensons une chose. Dans une telle situation, celui qui endosse la première responsabilité, c'est le chef de l'État. Le président de transition est pour nous responsable de ce qui arrive. Il doit prendre ses responsabilités. Il avait affaire avec une révolution de couleur, ça c'est vrai. C'était une révolution de couleur. Comme ça s'est passé en Iran sous le Shah, les Français et les Britanniques avaient soutenu la révolution. Les Français avaient soutenu la révolution de couleur et les États-Unis étaient derrière le Shah. Et on a renversé le Shah. Oui, ça arrive. Dans l'espace de ces puissances-là, ils font ces choses entre eux. Mais nous devons savoir une chose. Les Iraniens avaient quelque chose de plus. L'islam comme système total. Excusez, on ne peut pas dire que c'est une idéologie. L'islam est un système total. Et ceux qui sont arrivés, puisque c'était les mollahs, donc des guides religieux, ils ont su se refermer autour de l'islam. Or, au Tchad, on n'a jamais vu parmi les leaders qui veulent faire la révolution en couleur, pas un seul tenir une posture panafricaniste. C'est pourquoi c'est dangereux. Et nous disons une chose, le bon message que nous a envoyé le peuple tchadien, c'est qu'il est capable de se lever. Il est capable de sortir pour défendre ses droits. Mais ce peuple tel qu'il est sorti, ce n'est pas aussi la bonne formule. Quand vous faites la géographie de la situation, vous avez remarqué que c'est Mundu, Doba et N'Djamena. On est dans le sud. On n'est pas dans le nord du Tchad. Donc on vous dirait non, la densité de population dans le nord et les institutions sont très éloignées du nord. C'est vrai. Densité faible, institutions éloignées, mais dans un type de révolution. Les coups d'État, c'est pourquoi nous avons essayé de préciser. Les coups d'État, les Ngukuni Wede, les Idrissa Nabré, tout le monde là, même le FACT qui menace attaquer dans les jours prochains, qui est actuellement en Libye, c'est au nord. C'est au nord, donc c'est là où c'est loin là. C'est là où ils vont fonder. Est-ce que le pouvoir de N'Djamena n'a-t-il pas donné trop le flanc? On se rappelle quand même de la prise de pouvoir de Mahamat Déby. On voit également sa prolongation de transition à plus de 2 ans. Et là-bas, il peut être candidat à l'élection présidentielle. Et jusqu'à preuve de contraire, aucune réaction de la part de Paris, aucune réaction de la part de Washington. Mais vous nous faites quand même savoir qu'il y a une guerre entre Paris et Washington sur le sol tchadien. Pourtant, tout le monde le sait. Washington est le père de la France. Washington, c'est le père de la France. Mais ça n'exclut pas que la France et Washington se sont fait parfois la guerre sur certains territoires. Mais ici, au niveau du Tchad, Washington souhaite récupérer le Tchad pour des raisons stratégiques. Parce que dans la sous-région, les États-Unis veulent devenir les maîtres désormais de la sous-région jusqu'au Sahel. La France
est en train d'être enlevé sur les terres africaines, aussi par Washington. C'est aussi la volonté des États-Unis. Ce n'est plus simplement une volonté des Africains, c'est aussi une volonté des États-Unis. Nous devons désormais conjuguer avec cette donne-là. C'est-à-dire que dans nos enjeux, dans nos challenges, nous devons intégrer que... Il y a les États-Unis qui sont à la tête de toutes les manœuvres. Nous sommes qui sont, que les États-Unis sont là également pour les mêmes intérêts. Les États-Unis veulent reprendre le contrôle de la zone parce qu'ils considèrent que notre rapprochement avec les Russes est plus dangereux que tout. C'est ça l'enjeu géopolitique pour les États-Unis. Ils se disent que les Français ont été incapables de gérer, ils veulent reprendre la main. Maintenant, si c'est la signature Washington, l'ambassadeur s'est quand même incliné devant les morts. Ça, on ne peut pas nier. On n'a pas aussi nié le fait qu'au lendemain de la manifestation, Paris était le premier à communiquer en disant qu'ils apportent leur soutien à Mahamat. C'est tout à fait clair. L'ambassadeur était du côté de... Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui s'est passé. Oui, et chacun a communiqué pour son poulain. L'ambassadeur allait se placer devant ses morts et le Paris allait communiquer à côté de son poulain. C'est ça qui est regrettable pour le Tchad. Et nous, nous demandons à tous les patriotes tchadiens, les vrais, pas cette classe des succès masqués, les vrais, de prendre leurs responsabilités. Ils peuvent être dans l'armée, ils peuvent être dans le peuple. Nous les appelons. Souvenons-nous, nous l'avons fait au Burkina. Quand au Burkina, tout semblait noir. Nous savions que nous ne pouvions compter sur aucun opposant majeur. Hormis notre sœur Yerika. Dans la société civile, on connaissait Nestor Podassier et quelques-uns. Mais hormis eux, c'était le noir total. Les colonels, généraux et consorts ne pouvaient pas compter sur eux. Donc, sur le cas du Tchad aujourd'hui est une situation presque similaire. Il n'y a pas d'acteur dans leur opposition là qui nous propose quelque chose de différent que ce que Mahamat fait. Tous vont se compromettre. Tous sont déjà compromis. Donc Mahamat aussi. On l'a entraîné très loin, il est déjà compromis. Il ne peut plus. On ne peut pas nous dire qu'il ne s'est pas compromis. Il s'est compromis. Il a accepté de jouer un jeu avec ces gens. Et puis, voilà. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. C'était sur ce plateau. Il faut arrêter. Un sursaut d'orgueil. Deviens même ton père pour un jour. Même après ça. Parce que nous sommes à quelques jours après. Et nous sommes 4 jours après, 5 jours après. Oui. Vous avez vu, il a fait volte-face. Du tout. Voilà, c'est ça. Aucun discours de la part du ministère de l'Intérieur, aucun discours de chef d'État. C'est ça qui est regrettable. Il pense qu'en restant terré, en continuant, même la répression a un seuil à partir duquel ça ne marche plus. Il faut que des patriotes, c'est le moment d'appeler les patriotes tchadiens. Les patriotes tchadiens, prenez vos responsabilités. Pas des gens qui sont allés... Si c'est des gens qui sont comme Success Matra, on le saura. On le saura parce que celui qui va à l'ambassade des États-Unis, nous saurons qu'il y est allé. Ne nous demandez pas comment on le saura. Ceux qui vont à l'ambassade de France, on le saura. Nous voulons des patriotes. Le peuple a montré quelque chose. Le peuple a montré que lui, il voulait rompre des relations pipées avec un type de partenaire. Vous avez vu des drapeaux russes? Ce peuple-là a dit que lui, il ne se reconnaît plus dans la coopération avec l'OTAN ou l'Occident. Ce peuple-là est même en rupture avec les Masras. C'est-à-dire, si lui-même, il est cohérent avec lui-même, il devrait déjà commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai organisé dans mon pays? Il ne peut pas gagner de ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Parce qu'au Tchad, nous pensons que c'est la formation d'une opinion publique mature qui est en train de commencer. Pour une fois, on a vu des populations tchadiennes qui ne vont pas chercher les armes. Qui sont prêts à manifester. Ça, c'est important. C'est important. Le mécanisme auquel la France nous avait habitués, le FAC, tout ça... Ça commence à être obsolète. Nous invitons donc des leaders, parce qu'il y en a des leaders qui sont consensuels, des leaders
qui sont capables de mobiliser, à la fois dans le sud et dans le nord, pas ceux qui mobilisent essentiellement dans le sud, à la fois dans le sud et dans le nord, des leaders consensuels comme ceux-là, à prendre leurs responsabilités, à l'assumer, à porter ce mouvement, à porter cette révolution tchadienne et à mener le Tchad vers sa destination panafricaniste, qu'avait inauguré le président Idriss Déby Itno, le maréchal. Nous inclinons toujours devant sa mémoire quand nous parlons de lui, parce que c'était un grand homme. Nous voyons quelques panafricanistes dire que Idriss Déby, non, on n'est pas là pour faire les procès des gens sur le passé. Sinon, beaucoup de ces panafricanistes, même eux-mêmes, si on commençait par leur passé, on aurait des choses à dire. Donc, Idriss Déby, c'était un panafricaniste. Son fils est en train de trahir sa mémoire. Ça, il doit le savoir. Pour nous, il est en train de trahir sa mémoire. Et nous avons besoin des Idriss Déby du Tchad contemporain. Ceux qui ont vu comment il s'est comporté, même au sein de son parti, c'est un parti populaire qui est à la fois aimé dans le nord et dans le sud. Nous voulons des leaders. Dégagez-vous. Acceptez de sortir de l'ombre. Prenez vos responsabilités. On en a marre des succès masquerades et qu'on sort de Kedjabo. C'est des gens qui sont déjà compromis. C'est le Tchad, c'est l'ancien Tchad. C'est le monde d'hier. C'est vous qui nous dites, quand dans nos échanges, que ça c'est le monde d'hier. Eh bien, nous sommes en train de voir le monde d'hier qui s'effondre. Malheureusement, c'est un jeune comme nous qui est en train d'appartenir au monde d'hier qui est à la tête du Tchad. Il faut que le Tchad, il faut que les Tchadiens pensent le nouveau Tchad avec des hommes intègres et pas des hommes qui vont baisser la culotte devant l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis. Pas ce genre d'hommes. Nous ne voulons pas de ça. Pas des hommes qui auront peur de la mort. Parce que il y a un truc avec cette affaire de répression. Aujourd'hui, on présente ça comme étant une affaire. Nous savons que les Tchadiens sont des personnalités intègres. Si ce mouvement est porté par des patriotes, mon frère Ngos, sans cracher sur la vie humaine, nous vous disons que 300 morts seraient petits. Ils auraient des milliers de cadavres sur la conscience. Mais même sur ces milliers de cadavres, ils auraient encore des millions de Tchadiens qui iront chercher ce pouvoir qui leur revient de droit. Ce pouvoir, le pouvoir du Tchad, appartient aux panafricanistes. Nous allons le récupérer. Nous allons y régner. Et nous allons installer un nouveau Tchad. L'ambassadeur des États-Unis et la France doivent comprendre une chose. Parce que pour nous, c'est un test pour voir la lucidité des panafricanistes. Nous n'allons pas mouiller dans vos basses besognes. Vous, vous faites la guerre au Tchad, c'est votre affaire. Tous ces morts, c'est vos morts. Ça compte encore dans le procès historique que nous vous portons sur notre continent. Et nous vous comptons comme étant les premiers responsables, les États-Unis et la France, de tous ces morts au Tchad. Le supplétif en second, Tadi Mahamat et Success Masra. Ces gens sont responsables autant que la France et les États-Unis. C'est eux qui ont fait, qui sont responsables de la mort de ces personnes. Nous nous disons à tout le peuple tchadien nos condoléances les plus sincères. À tous ceux qui sont tombés, courage à vos familles, courage. Le combat ne fait que commencer. Ce n'est pas encore le temps de pleurer nos morts. Tant que nous n'avons pas gagné, nous n'allons pas pleurer. Quand nous allons gagner, nous organiserons le deuil. Je n'ai jamais vu un deuil qui s'organise pendant une guerre. On vous dit merci, Jonathan Matengré, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, c'est moi qui vous remercie, mon frère Ngos. Mesdames, Messieurs, comme le déclarait Wayfort Claude Mourté, la mort est une chose certaine seulement quand elle arrive. Sur ces mots, je vous donne rendez-vous très prochainement. Passez une agréable journée.